On était 5 Black Sas. L'ordre nous avait envoyés dans une mission étrange. Mon rider s'est mis à pulser comme jamais, sans interruption. Je n'arrivais pas à analyser ce qu'il me disait. Tout semblait erroné. J'ai pris mon arme, je la pointais partout autour de moi, à la recherche d'une cible. Mais il n'y avait rien. Je ne comprenais rien. Puis je l'ai vu de dos, une silhouette, une présence. J'avance, je pense à rien. L'arme prête à tirer. Je m'approche, il ne bouge pas, immobile. Je vois pas son visage, puis sa voix, une voix d'homme. Je dois l'abattre, mais il ne fuit pas. L'ordre, l'ordre. Je résiste, mais je sais pas pourquoi, je ne comprends pas ce qu'il me dit. Sans que je le lui demande, il joint ses mains derrière le dos pour que je le menotte comme un prisonnier qui se rendrait sans combattre. C'est fou, mon premier homme. Je joins ses poignets avec le rider. J'active l'intelligence, puis je le comprends enfin. Il me dit « Désactivez le rider ». Étrangement, je m'exécute. Je passe la main sur le rider et le désactive dans un bleu continu. « Vous êtes une singularité », me dit-il. « Peut-être la meilleure combattante de l'ordre. Vous êtes un génie de la guerre. Vous n'avez peur de rien. Je connais tout sur vous, mais une chose que l'ordre ne sait pas encore. » Vous avez le cœur fragile, mais à de très rares moments. Si léger qu'aucune machine ne peut le déceler. La singularité que l'ordre traque partout chez les Black Sas Riders. Ils ne le savent pas encore, mais vont bientôt le découvrir. C'est pour ça que je suis là. Ils vont vous arrêter et vous recoder. Mais qui êtes-vous? Quel est votre rider? Je n'ai pas de rider, mais un nom. Un nom. Aucun homme n'a de nom. Il fut un temps où la civilisation portait chacun à un nom, homme et femme, et une religion qui les unissait. Ce temps est terminé et l'ordre nous a interdit d'y revenir sous peine de mort, je sais. C'est pour ça que l'ordre vous a créé avec le rider, une intelligence démoniaque, pour nous éliminer, enfin, ce qui reste. Alors emmenez-moi à l'ordre ou alors tirez avec le Black Sas. Vous faites partie de la résistance. C'est un secret et ça n'a aucune importance. Mais oui, je suis bien votre premier contact avec la résistance. Mais ce qui compte, c'est vous et moi, vos rêves et les miens. Quelqu'un d'autre se cache en vous. Vous essayez de fuir la singularité de vos origines. L'ordre n'arrive pas à vous rendre parfait selon ses critères de pureté digitale. Vous êtes magnifique et la résistance aimerait vous compter parmi eux. Je suis là pour ce message d'espoir. Ils vous tueront de toute façon. Quand ils découvriront votre singularité, n'ayez plus peur de ce que vous êtes. Sans comprendre ce qu'elle fait, Stella défait le rider, l'intelligence de l'ordre sous forme de brassard. Les mains de l'homme libérées, un temps se passe comme suspendu entre Stella et l'homme. Puis il part, laissant Stella dans la profondeur de ce moment vertigineux. Elle est comme figée par des forces contraires, mi-humaine, mi-machine. Le résistant se perd dans son regard, l'horizon redevient pur de toute présence.